Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui marche sur tablette Android comme Mac et qui permet de créer des surfaces de contrôle pour vos différents logiciels de musique ou autres, puisqu'on peut autant activer des commandes CC en MIDI et des commandes de raccourci clavier. Et vous pouvez donner à peu près le design que vous voulez. Vous pouvez créer vos boutons, vos pads et tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, là j'ai créé un template exprès pour Reason. Donc, la première page, on va avoir toutes les fonctions principales que Reason a besoin. Donc, moi j'ai mis undo, record, rajouter une piste instrumentale, rajouter une piste audio, rajouter des effets, une piste mix, copier, coller, quantise, mettre le métronome, le loop, appeler la fenêtre mixeur, appeler la fenêtre rack, appeler la fenêtre séquenceur, effacer, aller au locator in et au locator out, stop, play. Ça va être pour ma première page. Ainsi que vous allez avoir le volume et la sélection des tracks, montée, descente et les pannes sur la piste sur laquelle vous êtes. Ensuite, deuxième partie, j'ai créé un template exprès pour le NNXT. Donc dessus, j'ai mis un clavier, on a le pitch, la molette de pitch, la molette de well, le volume et les 6 potentiomètres que vous allez retrouver sur le NNXT. Sur la troisième page, j'ai carrément recréé la console 14.2 de Reason. Donc ça va permettre de contrôler les différents faders, mais vous pouvez aussi les affecter pour pouvoir contrôler le mixeur général SSL de Reason. Là, on a l'interface du Redrum avec les différents volumes, les 10 volumes, les 10 panels et les patchs et les pads, les 10 pads de la Redrum. Après, j'ai créé une interface pour le subtracteur qui est le synthétiseur avec les touches et des différents boutons. Ensuite, vous avez l'Octorex avec les pads, le clavier et pouvoir déclencher les 8 slots qu'on retrouve sur le Docteur Octorex. Et enfin, les commandes du combinator avec les 4 rotatifs et les 4 boutons. Sur chaque page, bien sûr, j'ai laissé mon start, stop, play, rec et différents raccourcis qui peuvent être utiles lorsque l'on travaille. Donc c'est vraiment un petit logiciel très complet, très facile d'utilisation. Il y a des templates à télécharger sur Internet ou alors vous pouvez les créer vous-même. Moi, dès que j'aurai terminé réellement ce template pour Reason Essentiel, je vous le mettrai en téléchargement et vous pourrez faire mumuse avec. Donc, pour trouver ce petit logiciel, il vous suffit d'aller soit sur Google Play ou sur Apple Store et vous allez le trouver. Donc, moi, vu que j'ai une tablette Android, j'ai pris TouchOS C pour Android, comme vous le pouvez le voir sur la page du site. Ce petit logiciel coûte 4,99 €, donc c'est vraiment pas cher une fois que vous avez votre tablette pour créer votre surface de contrôle tactile. À l'intérieur, vous avez directement quelques presets qui sont mis en place pour Traktor, pour Ableton, pour tout ça. Et vous avez Touch OSC Editor qui va vous permettre de personnaliser vos propres templates comme je l'ai fait ici, comme vous pouvez le voir dans l'encadré que j'ai pu faire.
Maintenant, on va regarder ce que ça donne avec le petit logiciel. Donc là, par exemple, j'ai mis le template, enfin, j'ai mis un RedRum. RedRum, c'est le troisième, voilà. J'ai déjà chargé quelques sons et comme vous pouvez voir, donc pad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est relativement jouable. Hein, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une surface de contrôle spécialisée ou qui veulent quelque chose de vraiment flexible avec directement les boutons qui les intéressent, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Là, si je prends le fader 1, comme vous pouvez voir, j'ai mon level de la piste 1 sur les 10 pistes du RedRum qui s'active. Donc là, je vais me mettre, j'ai mis le je règle le volume. Et ici, je règle le panel de mon petit de ma première piste de RedRum. Et j'ai fait la même chose pour chacune des pistes. Hop, on va rebaisser. Donc pour mettre en œuvre tout ça, c'est pas compliqué. Sur le site d'OSC Touch, en premier abord, bien sûr, il va falloir configurer, puisque ça travaille en MIDI Wi-Fi, il va falloir mettre installé sur votre PC le Touch Bridge qui va vous permettre de communiquer en entrant tout simplement l'adresse IP de votre ordinateur. Une fois que l'adresse IP est rentrée une fois que vous avez installé Touch Bridge et que sur votre console, simplement en se mettant dans les réglages, vous avez ici OSC, vous allez pouvoir mettre le bridge, pareil pour ici, ce qui fait que vous allez créer votre template sur l'ordinateur et il vous suffira de venir dans layout, voilà, et là vous allez faire Add from editor et ça va vous permettre de pouvoir mettre le template que vous avez créé. Alors pour ceux qui sont pas doués avec la création de template, il y en a pas mal à trouver directement sur internet, soit en vente soit en téléchargement libre ou soit en vente, puisque faut bien admettre qu'il y a un certain travail puisqu'il faut affecter chaque raccourci clavier ou alors chaque fonction CC MIDI ou note MIDI lorsque vous créez un clavier par exemple pour le NNXT. Chaque truc a été dessiné, chaque note a été dessinée pour pouvoir travailler comme chaque pad, il faut lui affecter la note adéquate pour pouvoir bosser. Alors une fois qu'on est dans le logiciel, ça répond relativement bien. Donc si je me mets sur mon template de RedRum, voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, là je suis en train de bouger le panel de la piste 2, le panel de la piste 3, le panel de la piste 4. Après vous pouvez rajouter autant de contrôles que vous voulez. Si vous voulez mettre tous les contrôles de l'écran, vous pouvez vous faire un template avec tous les contrôles de l'écran, bien sûr. Donc là c'était l'exemple sur le RedRum, mais si par exemple je charge, je vais prendre un Dr Octorex, donc je vais dans instruments, il me suffit de charger un Octorex. Si je mets Octorex Drum Patch,
Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un template de percussion et on a trois différents fichiers REX qui sont mis dans le template. Donc je vais aller sur l'Octorex et si j'appuie sur le 1, ça va me lancer le premier. Là, je suis passé sur le deuxième fichier REX. Là, sur le troisième fichier REX. Et je peux repartir sur le premier. Maintenant, j'ai mis les pads et le clavier, tout simplement parce que si vous êtes sur votre premier slot, hein, vous allez avoir la décomposition. De votre fichier REX, de même que au niveau de mon pad. Donc ça permet, là sur ma petite interface, ça m'a tout simplement permis de mettre un clavier et un pad façon MPC. Ensuite, comme vous allez le voir, là ici, j'ai mis la molette de pitch, comme vous voyez à l'écran, elle bouge directement. J'ai aussi mis la molette de well, comme vous voyez, qui me permet de travailler sur les deux en même temps, tout ça en tactile. Là, je contrôle le volume général de mon Dr. Octorex. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, vous avez les différents slots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont vous permettre de jouer directement avec les 8 slots de votre Dr. Octorex. Ici, vous avez votre stop, le play et le rec. Quand on se trouve sur la fenêtre principale que j'ai créée, vous pouvez hop, mettre le mixeur. Donc là, vous avez la fenêtre mixeur qui apparaît directement, la fenêtre rack, la fenêtre séquenceur, avec différentes options qui sont relativement utiles. Pour faire par exemple cette page-là, j'ai tout simplement utilisé les raccourcis clavier pour aller plus vite, ce qui me permet d'avoir tout de suite le délai, aller au locator in, locator out, avoir la cantise, copier, coller, donc CTRL C, CTRL V, rajouter une piste mix, FX, audio, instru, undo, redo, les principales fonctions qui permettent d'utiliser le logiciel Reason en toute simplicité. Hop, si je mets un NNXT, et c'est ce qu'on va faire de suite, donc je vais dans instruments. Je rajoute mon petit NNXT, bing. Je vais lui mettre un son, donc par exemple, hop, rack. Je rajoute un son à mon NNXT. Admettons, je lui mets. Voilà, un son de piano. Je vais sur mon template NNXT. Va baisser un peu le volume. Et comme vous le voyez à l'écran, hop, je peux contrôler directement ma fréquence, ma résonance, l'attaque enveloppe, le decay, le release et le decay de modulation d'enveloppe. Et ici, vous avez votre master. Donc, comme vous pouvez le voir, ça reste un logiciel extrêmement complet. Après, voilà, avoir la patience et les connaissances minimales en MIDI pour pouvoir le créer. Mais comme je vous l'ai dit,
Hein, il y a pas mal de templates à récupérer pour Traktor, pour Reason. Enfin, ceux de Reason, j'ai surtout trouvé des trucs payants. Alors, des fois, c'est un petit peu abusif pour 25 $, puisque c'est une société qui s'appelle Retouch, hein, qui fait des templates. Et ils vendent 25 $ le template pour Reason. Bon, moi, je sais pas combien je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre gratuit? Est-ce que je vais le mettre en téléchargement libre pour Reason Essentiel? Je sais pas encore. Mais en tout cas, je vous montre la procédure pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Ils vont pouvoir créer leur propre template. Donc, j'en ai fait un aussi pour le Combinator. Puisque si vous allez. Là, je vais aller directement dans Factory, banque de son, Combinator. Je vais prendre par exemple. Je prends par exemple mon. Là, je peux jouer, comme vous le voyez, sur mon premier potard qui représente la couleur du son. Je peux activer ou désactiver les différents boutons. Voilà. De mon combinator. Donc c'est vraiment un petit logiciel donc qui coûte 5 €. C'est pas énorme une fois que vous avez une tablette, hein, même une ancienne. Hein. Moi j'ai une tablette Acer qui date de 2-3 ans, hein, et ça fonctionne parfaitement en MIDI. Donc ça vous fait une surface de contrôle sans fil pour pouvoir contrôler votre Reason. Moi ça va me servir par exemple si je suis en train de scratcher parce que ma partie platine elle va être un petit peu à côté de l'ensemble du home studio quand je mixe et donc j'emmène directement ma tablette à côté de mes platines et ça me permet de contrôler mon Reason à distance. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Ça revient un petit peu au même principe que le logiciel TouchDo que je vous avais déjà présenté avant. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? On peut créer des templates pour à peu près tout. Dedans, il y a même des templates pour les VG, ce qu'on appelle les VG, les vidéos DJ, hein, pour permettre de contrôler des canaux vidéo ainsi que des canaux musicaux pour faire vos scènes et tous vos petits délires. Donc voilà, je tenais à vous présenter ce petit logiciel qui coûte 5 € que vous allez trouver. Je retourne sur la page internet sur Google Play, Apple Store et Amazon au prix de 4,99 €. Bon, disons 5 €. Hein. Et donc, vous avez, comme vous le voyez ici, différents templates Logitech Express, Ableton, Native Instruments Reactor, Max. MSP, Max for Live, les données pures, ensuite il y a des logiciels de VG, etc. Et vous allez pouvoir vous amuser autant que vous voulez. Le Touch Editor est gratuit et le Touch Bridge est gratuit aussi. Donc à partir de ce petit logiciel qui sera installé sur votre tablette, ces deux-là seront intables. Installé sur votre PC, ça va vous permettre de contrôler tous vos logiciels et applications directement à partir de votre tablette. Ça vous fait une surface de contrôle sans fil, extrêmement. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment intuitif et vous pouvez régler vraiment tout ce que vous voulez. Voilà, voilà pour la présentation de ce petit logiciel. Hein. Qui je trouve a une interface assez conviviale. C'est franchement, vous pouvez mettre des rotatifs, des encodeurs, des interrupteurs. Après, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin et ce dont
vous voulez pour pouvoir contrôler votre logiciel de son ou logiciel de montage vidéo, logiciel de vidéo DJ. C'est à vous de voir. Donc voilà pour ce qui concerne le logiciel TouchDAW. Donc surtout n'oubliez pas de télécharger vos différents packs. Vous avez sous les vidéos des packs MPC, des refils pour Reason, des packs, un pack Ableton Live pour pouvoir commencer à bosser sur Ableton. Lâchez votre pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans un autre épisode de des ABC du beatmaking. Au revoir et bonne année.